Good morning, Aleid, et ce sera aujourd'hui le Lunishmat Dov Ben Yudit et Vietarman Ben Chetva Chayester Bat Miriam et Trek Perez Ben Fortuna et Chaim Michael Ben Sultana. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shabbat Perek Yud Alef, Mishnah Gimel Azorek, Arba Amot Bakotel. Les Maala me Asarat Fachim, Kezorek Baavir. Les Mata me Asarat Fachim, Kezorek Baaretz. Azorek Baaretz, Arba Amot, Chayav. Zarak Letoch Arba Amot. Venit galgal chutz l'arba amot patour, chutz l'arba amot, venit galgal letoch arba amot, chayav. On va continuer à parler dans notre Mishnah de détailler l'interdit de zorek, celui qui jette quelque chose à Shabbat, qu'on avait déjà appris depuis la première Mishnah, que lorsqu'on jette quelque chose d'un domaine à l'autre, on transgresse l'interdit de porter à Shabbat, même si on n'a pas de transport avec la main. Zorek est une tolada de moti, kilo. D'accord? Et il y a Zorek, c'est une. Le fait de jeter, c'est un travail dérivé de l'interdit de porter à Shabbat. Maintenant, la Mishnah m'enseigne. Azorek Arba Amot Bakotel. C'est une Mishnah un peu. Dans la structure, un peu compliquée, parce que la phrase clé de base pour expliquer la Mishnah, c'est ce qu'il va y avoir en plein milieu de la Mishnah. Azorek Baaret Arba Amot Hayav. C'est là le point de départ. Celui qui va jeter 4 Amot par terre, dans la voie publique, il est chayav. D'accord, je vous le dis tout de suite, parce que c'est la base pour comprendre, pour pouvoir expliquer ensuite la Mishnah. C'est-à-dire, lorsqu'on est sur la voie publique, on n'a pas le droit de porter 4 amot. À part l'interdit de faire passer d'un domaine à l'autre, il y a aussi un interdit de porter 4 amot dans le Reshout Arabim. Transporter quelque chose de 4 amot, c'est-à-dire j'amasse un livre posé par terre, je marche l'équivalent de 2 mètres, et je le repose, j'ai transgressé l'interdit de porter. Eh bien, Mishnah va m'enseigner aussi, tu sais, même si tu prends quelque chose, tu le jettes à 4 mètres, eh bien, à 2 mètres, à 4 amot, tu transgresses aussi l'interdit de porter à Shabbat. Maintenant, la Mishnah me dit comme ça. Azorek arba amot bakotel, celui qui va jeter un objet à 4 amot et qui va se coller à un kotel, à un mur. Soit, un partenariat apporte un cas de, par exemple, une figue, comment dire, bien grasse et sucrée, collante, il la prend, il la jette et elle se colle sur le mur. Est-ce que je transgresse l'interdit de porter à Shabbat lorsque je fais ça? Apparemment, oui, puisque je la ramasse du parterre et je la jette. Le mur, il a 4 amot de moi, donc il a 2 mètres, et ça se colle sur le mur. J'ai donc levé, transporté et posé, mais à une condition. C'est ce que la Mishnah va me dire. À quelle hauteur elle s'est collée, la figue? Si elle s'est collée au-dessus de 10 tfachim ou en dessous de 10 tfachim, d'accord? C'est ce que la Mishnah va me dire. Azorek arba amot, bakotel, celui qui va jeter quelque chose qui va se poser à 4 amot plus loin sur un mur. Les ma'alam et asarat tfachim, si ça s'est collé au-dessus de 10 tfachim, au-dessus de 1 mètre, alors qu'ezorek ba'avir, ce sera considéré un tefar, c'est une poignée. Et ce sera considéré comme si qu'elle avait jeté en l'air. Par contre, les matam et asarat tfachim, en dessous de la hauteur de 10 tfachim, dans l'espace donc de 10 tfachim depuis le sol, équivalent de plus ou moins 1 mètre, Kezorek Baaretz, c'est comme si qu'il avait jeté par terre. Et quel est le digne de celui qui jette par terre? Azorek Baaretz, Arba Amot Chayav, celui qui va jeter par terre. Sur une distance de 4 Amot, il est Chayav. J'explique un petit peu mieux l'histoire de 10 Tfachim, on l'avait déjà évoqué dans les Mishnahs précédentes, mais je le répète encore. Il y a une halakha particulière. On considère le Reshout Arabim que l'espace du sol jusqu'à une hauteur de 10 Tfachim. Au-dessus, il y a plus d'itfarim. C'est très rare, parce qu'en général, lorsqu'on va vouloir poser quelque chose au-dessus, ben, selon la physique, ça va tomber par terre, donc ça va se poser, on va le poser. Mais malgré tout, il y a toutefois un cas particulier, c'est lorsqu'on va jeter quelque chose qui va se coller au-dessus de l'itfarim. Il s'avère que je le pose au-dessus. En fait, si je le collais sur un mur, on peut prendre aussi le cas où il y avait... Non, on n'a pas pris le cas où il y avait un petit poteau, parce que le poteau, de toute façon, il sera ma comme tour, justement, c'est pour ça qu'on n'a pas pris le cas de figure. Ouais, donc il faut nécessairement, pour considérer que tu l'as posé dans le Reshout Arabim, il faut que ça se colle quelque part. Maintenant, il faut que ça se colle au-dessous des 10 tfachim, mais pas au-dessus. Ok, c'est clair, alors on n'a qu'à avancer à la Mishnah. Zarak letoch arba amot venit galgel chutz la arba amot patour. Nouveau cas de figure maintenant. J'ai jeté quelque chose... mais qui devait se poser, j'ai calculé pour que ça se pose dans les 4 amot. Il y avait ici, là, il y a un petit tapis devant moi, je voulais que ce livre soit posé sur le tapis. Je suis dans le Reshout Arabim, dans la voie publique.
Je jette à une distance de moins de 4 trimoules. Une quoi de 4 amotes. Donc ça devait se poser, on va prendre par exemple un cas où c'était une balle, j'avais prévu qu'elle allait se poser. Et qui s'est passé? La balle, quand elle arrivait, elle a glissé. Sans s'arrêter, elle a continué au-delà des 4 amotes. Donc, apparemment, j'ai finalement transgressé l'interdit de porter à Shabbat, puisque j'ai voulu, puisque concrètement, je l'ai jeté depuis ma place, et la balle, elle a enroulé jusqu'à là-bas, à 4 mètres de moi, à 5 mètres de moi. Donc apparemment, j'ai transgressé l'interdit de porter à Shabbat. Eh bien non, j'ai pas transgressé l'interdit. Pour quelle raison? Parce qu'il est mit-a-sec, grande règle de Shabbat, que lorsqu'on n'a pas l'intention de faire une melacha asura, et que malgré nous, on fait une melacha asura, le cas classique, quelque chose qui est mit-a-sec, on va prendre... c'est compliqué, parce qu'il y a des choses qui sont d'avka, d'avoir mit-a-sec et d'avoir shenomit kaven, il y a une petite nuance. On va prendre un cas classique, je me suis fâché, j'en ai marre, et je mets un coup sur la lumière. Je voulais mettre un coup sur le mur, et j'ai mis un coup sur la lumière, j'ai allumé la lumière. J'avais aucune intention d'allumer la lumière. J'ai pas du tout transgressé l'interdit Shabbat. C'est pas que j'étais béchogeg par inadvertance. J'ai pas du tout transgressé l'interdit, j'ai pas du tout eu d'intention d'allumer. Je transgresse l'interdit d'allumer à Shabbat, béchogeg, que si j'ai oublié que c'était Shabbat, j'ai oublié que c'était interdit d'allumer. Mais pas si j'ai l'intention de faire une chose, et puis malgré moi, j'ai ma main qui est partie de travers et qui a fait un interdit. D'accord? Et mal prend le cas, par exemple, il a voulu ramasser un bois qui était par terre, et il s'avère que le bois, il était planté. Et il était planté encore, c'est un... Et quand tu as levé, tu l'as déraciné. Tu n'as pas transgressé l'interdit du tout, c'est mit à sec. Selon ce principe, maintenant, même idée. Tu as voulu jeter quelque chose dans les 4 amotes de ta place. Dans l'espace des 4 amotes, tu ne transgresses pas l'interdit de planter à Shabbat. Normal. Malgré toi, c'est sorti à côté. C'est pas ton action. Tu l'as pas, voulu, elle n'a pas été voulue, c'est pas considéré comme ton action, tu n'es pas condamnable. C'est pour ça qu'il y a marqué pas tour. Par contre, Rousse l'a herbe à Amot. S'il a voulu le jeter en dehors des 4 Amot, il a voulu transgresser l'interdit Shabbat, il a oublié que c'était Shabbat par exemple. Et puis, coup de bol, il a jeté, et quoi? Rousse l'a herbe à Amot, Vingalgel les Toch herbe à Amot. Il a jeté en dehors des 4 Amot, et puis c'est finalement rentré dans les 4 Amot. Il a voulu le donc jeter, je prends l'exemple de la petite balle, il a voulu la jeter comme ça à 5 amas, 2 mètres et demi par exemple, et précisément il voulait que ça arrive là-bas. Puis il a raté le panier et la balle allait re-rentrer dans l'espace des 4 amotes. La balle ne sait pas. Alors, on va expliquer ce que la balle a s'arrêté ou pas. Tel que la Mishnah nous présente, d'abord elle me dit, si tu l'as jeté en dehors, chutz la 4 amotes, au-delà des 4 amotes, et après que Nidgalgel, elle a roulé les torts 4 amotes, elle revient dans les 4 amotes, donc apparemment t'as pas transgressé l'interdit, et bien malgré tout la Mishnah me dit, chayav, tu es condamnable. Là, c'est pas clair. Parce que concrètement, j'ai peut-être voulu faire l'interdit. Mais je ne l'ai pas fait, puisque la balle ne s'est pas arrêtée. Sur ça, la Gemara explique, le Barthénori apporte, qu'on parle que, lorsque je l'ai jeté au-delà des 4 amotes, par exemple dans les 5 amotes, elle est arrivée, elle s'est posée, puis après elle a reroulé. Mais d'abord elle a eu un instant où elle s'est posée. Dans ce cas-là, j'ai fait Akira et Anacha. Je l'ai déracinée, je l'ai envoyée, et elle s'est posée. Après, si elle a roulé finalement, c'est encore une autre histoire. Et j'ai donc transgressé l'interdit. Par contre, donc si je jette la balle directement à 5 amas, et puis elle ne se pose pas et elle revient directement, je n'aurais pas transgressé l'interdit dans ce cas-là. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.